Non, 7-50 à jouer en deuxième période. C'est 2-2. Henley avec la rondelle pousse dans le coin pour lui-même. Henley remet dans l'enclave. C'est un tir du revers et compte. Oh, c'est Seal qui est venu marquer avec le revers et c'est 3-2. Et ça, ça a été une bévue là, qui a été faite. Beauregard s'est complètement sorti du jeu, là, lui, en essayant d'aller donner la mise en échec. Il n'a pas nécessairement resté sur le joueur qu'il aurait dû. Par la suite, ben, on a été en mesure de venir reprendre la rondelle. C'est un tir du revers vraiment anodin qui a glissé, qui est venu battre Robert Seal. Assure. Gravel, défenseur des Foreurs, sera pas mis sur le disque. Réussit à remettre et c'est un 3 contre 1. Oh. 3 contre 1, on s'amène, on remet à Seal. Seal au Bécubel, il compte! Oh, Bécubel vient tirer entre les jambières de Robert Seave. Et c'est 4-2. Val d'Or.